Thierry, bien sûr. Je pense. Dès qu'il va falloir qu'il fasse le match, il est le challenger. Thibaut, quand il est conscient, il va essayer de l'attirer dans les pièges. Et puis Thierry pourra compter sur le soutien de ce fabuleux public de Calais qui nous a donné le frisson pendant les hymnes, alors que les deux boxeurs en sont à la traditionnelle séance des recommandations données par l'arbitre américain, monsieur Paul Venti. Il n'est pas juge, il est uniquement un directeur de combat. Ce sont les règles de l'IBF. Il est assisté par trois juges, deux américains, monsieur Traylor et madame Sheila Martin, professeur de sciences politiques à Columbia, et un danois, monsieur Hansen. J'espère que Thierry n'aura pas laissé trop d'influx dans cette cérémonie qui précède le combat. Première reprise. Alors maintenant, vous, abonnés de Canet, plus... Oh, c'est pas vrai. Une droite, une surprise. Oh, immédiatement cueilli à froid Thierry Jacob, qui s'est retrouvé au sol après quelques secondes de combat seulement. Semble avoir récupéré quand même Jean-Claude. Ah, c'est le coup à froid, c'est terrible. Souhaitons simplement. Voilà, très bien, il paralyse son adversaire, récupère. Oui, vous, habitué de Canal Plus, vous avez dû le remarquer déjà depuis le début, puisque Jacob évalue en gaucher. L'attention était telle, Thierry s'est fait surprendre, mais c'est rien. Voilà, voilà, laissons passer l'orage. Ah, il est évident que lorsque l'on réussit un coup d'entrée comme cela, eh bien, ça multiplie la confiance. Et ça va être le cas chez Thibaut. On a vu le regard lancé par Thierry Jacob vers son coin, encore en difficulté là. Oui, belle réaction. Joli direct du gauche réussi là par Thierry Jacob. Il a parfaitement récupéré maintenant. Oui, oui. Superbe crochet gauche réussi. Thierry Jacob, extraordinaire premier round. Or les deux hommes sont allés au tapis. Kelvin Sibrouche, lui aussi, a très vite récupéré. Quel débrouille. Et c'est bien maintenant, très calmement. Il donne des coups, des droites gauche. Et Sibrouche n'a pas complètement récupéré. Sibrouche en difficulté encore. Début de championnat du monde, Sibrouche à nouveau touché. Oh, Sibrouche qui est touché au nez. Ah oui, qui n'est pas lucide du tout, il a à peine l'équilibre sur ses jambes maintenant. Ah, il oui. Est rendu. Oui. Encore. Une série à la face, il est KO. Il est à terre. Oh, il s'est relevé, Kelvin Sibrouche. D'abord Thierry Jacob dès les premières secondes. Précipitation dans le coin alors qu'on va revoir des images de ralenti. Bon, c'est de la gauche qui le fait tomber. Une deuxième gauche enchaînée. Bien suivi. Ah, superbement enchaîné. Alors je peux vous dire que dans son coin, Kelvin Sibrouche c'est très très éprouvé. Voilà.
Deuxième reprise avec un léger avantage maintenant pour Thierry Jacob, parce que même s'ils sont allés tous les deux à terre, eh bien, il a éprouvé beaucoup plus Thibaut. Il tourne du bon côté maintenant.